Il est notre force. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Éphésiens chapitre 2. Pour notre message de ce soir, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, on lit du verset 1er au verset 10. Éphésiens chapitre 2, du verset 1er au verset 10, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimés, asseyons-nous. Bien-aimés, ce soir, je prêche, ou alors je donne la parole sous le thème de les actes, les œuvres que tu accomplis aujourd'hui révèlent-elles de la volonté de Dieu? Amen. Les œuvres que tu poses aujourd'hui révèlent-elles, de la volonté de Dieu? Sont-elles de la volonté de Dieu? Je dis les bonnes œuvres que tu fais aujourd'hui, sont-elles dans la volonté de Dieu? Amen. Bien-aimés, la parole nous dit ce soir, le livre que nous venons de lire est de l'apôtre Paul. Amen. L'apôtre Paul nous enseigne et il nous rappelle exactement qui nous étions par le passé. Il nous dit, nous étions voués à la mort à cause du péché. Amen. À cause du péché, nous étions les enfants de la perdition. Nous n'avions pas droit à la vie. Nous n'avions pas droit à la vie que nous avons aujourd'hui. Mais par son amour, Dieu a tout fait afin que nous puissions avoir droit à la vie. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous pouvons appeler Dieu et il nous répond. Nous pouvons prier et nous sommes sûrs qu'il nous entend. Nous pouvons l'appeler et nous sommes sûrs qu'il volera à notre secours. Alléluia. Mais autrefois, par le passé, cela n'était pas le cas. Amen. Cela n'était pas le cas par le passé. Mais aujourd'hui, le Seigneur, dans son amour incommensurable, s'est souvenu de chacun de nous. Alors nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous vivions autrefois selon le train de ce monde. Par le passé, nous vivions selon le train de ce monde. Ça veut dire que par le copisme, par l'imitation, on faisait des choses qui n'allaient sûrement pas dans le sens de ce que Dieu aurait voulu que nous puissions faire. Amen. C'est en cela que nous étions appelés les enfants de la rébellion, parce que la rébellion signifie tout simplement sortir du plan et de la volonté parfaite de Dieu. Ce que Dieu a voulu que nous puissions faire, on ne le faisait plus. Ce que Dieu a voulu que l'homme puisse pratiquer, l'homme ne le pratiquait plus. L'homme s'était rebellé contre Dieu. L'homme avait tourné le dos à Dieu. Alléluia. Et nous étions de ceux-là qui avaient tourné le dos à Dieu. Nous étions de ceux-là qui ne s'occupaient plus de ce que la Dieu voulait. Nous étions de ceux-là qui ne marchaient plus sur la volonté
volonté de Dieu, mais on marchait sur la volonté de nos pensées et sur la volonté de nos regards, de nos passions, de nos émotions, de nos sens. Alléluia. Tes sens te dictaient ta conduite. Tu faisais ce que tes sens voulaient. Tu faisais ce que ton cerveau voulait. Tu faisais ce que ta bouche voulait. Tu faisais ce que tes yeux voyaient. Tu faisais selon ce que tu ressentais. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, tu ne marchais plus selon la volonté de Dieu. C'est en cela que nous étions appelés les enfants de la rébellion. Alléluia. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Pendant un moment donné, bien-aimés, on a été parmi ceux-là qui étaient éloignés considérablement de Dieu par notre comportement et par notre attitude. On était tous éloignés de Dieu. Donc, personne aujourd'hui ne peut lever la main et dire qu'il n'est pas passé par là. Tous les hommes, alléluia, il déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il ne s'agit pas d'une catégorie de personnes, mais il s'agit de tous les hommes. Tous avaient péché contre Dieu, alléluia. Il n'y a pas de super saint aujourd'hui. Il n'y a personne qui peut dire, moi, je suis saint. Alléluia. Il peut dire, moi, je n'ai pas péché. Il n'y a personne qui peut dire, j'ai été sauvé parce que j'ai fait ceci. J'ai posé telle bonne œuvre, alors j'ai été sauvé. Personne ne peut le dire, car la Bible nous rappelle encore que ce n'est pas le moyen de la foi que nous avons été sauvés et que cela ne vient pas de nous. C'est un don gratuit de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. Alléluia. Personne ne peut donc se frapper la poitrine et dire, voilà ce que j'ai fait pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Parfois, on peut tomber face à des personnes qui nous rappellent tout simplement que nous sommes des pécheurs et ils sont des saints. Nous sommes tombés face à des personnes qui nous rappellent que nous ne sommes rien devant Dieu et ils sont tout devant Dieu. Les gens qui nous rappellent qu'ils sont puissants, ils sont pleins d'onction pendant que nous n'avons rien. Les gens qui peuvent te rappeler qu'ils sont puissants mais que toi tu es faible. Bien-aimé, celui qui se bombe le torse est tout simplement un ignorant, est tout simplement un insensé. Car tout ce que nous avons, tout est grâce. Dis à quelqu'un, tout est grâce. Tout ce que nous avons est grâce. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes venus sur cette terre, nous sommes éloignés de Dieu, mais Dieu dans son amour a eu pitié de nous, il est revenu à nous. Alléluia. Alors bien-aimés, nous devons parfois être assez humbles pour reconnaître que nous ne sommes rien. Pour reconnaître que c'est Dieu qui nous a tout donné, que c'est Dieu qui a tout fait dans nos vies, afin que nous puissions ressembler à des personnes aujourd'hui qu'il est capable d'écouter. Dieu nous écoute aujourd'hui, Dieu nous entend. Amen. Tout simplement parce que par sa miséricorde, il nous a aimés. La Bible déclare donc, il dit que, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Lorsque quelqu'un va manifester la colère à côté de toi, si toi tu sais déjà gérer la colère, bien-aimé, comprends-le. Parce que toi aussi tu es passé par là. Tu étais aussi un enfant de colère. Tu étais aussi un enfant de colère. La colère de Dieu était aussi sur toi. Amen. Et ça, c'est ce que ça signifie. Dieu me dit ici là que, Paul me dit ici que la colère de Dieu était sur chacun de nous. La colère de Dieu était sur chacun de nous. Personne ne peut dire sur terre qu'il était épargné, qu'il était exempté de cette colère de Dieu. Nous étions tous les enfants de colère. Amen. Alors, bien-aimés, ça nous pousse à pouvoir regarder les autres avec amour. Ça nous invite à pouvoir avoir moins de jugement sur les autres, à considérer les autres comme s'ils sont aussi comme nous. C'est aussi des hommes. Alléluia. C'est des personnes aussi, à un moment donné, qui seront sauvées comme nous. C'est des personnes qui seront aussi sauvées comme toi. C'est des personnes qui vont aussi connaître le Seigneur plus tard, comme toi. Amen. Même si elles sont possédées aujourd'hui, même si elles sont envoûtées aujourd'hui, même si elles sont des prostituées aujourd'hui, elles sont des voleurs aujourd'hui, même si elles sont des menteurs aujourd'hui, même si elles sont des adultères aujourd'hui, des fornicateurs aujourd'hui, toi aussi, tu étais de ceux-là. Amen. Tu étais de ceux-là. Mais Dieu, dans son amour, a eu pitié de toi. Peut-être il t'a sauvé le premier. Il t'a sauvé avant ton frère qui va sauver demain. Il t'a sauvé avant ta soeur qu'il va sauver demain. C'est pourquoi, bien-aimé, un peu d'humilité, un peu de compassion pour les autres, un peu de miséricorde pour les autres. C'est pourquoi, bien-aimé, vous pouvez voir ici grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde parce que Dieu nous a sauvés par la grâce. Et c'est par sa miséricorde que nous sommes aujourd'hui tenus dans sa présence. Amen. C'est par sa miséricorde que nous sommes tenus dans sa présence aujourd'hui. Et nous sommes capables de pouvoir nous dire, nous sommes les enfants de Dieu. Amen.
Alléluia. Alléluia. Alors, le verset 4 dit ceci. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Nous étions morts par nos offenses. Nous étions condamnés par nos offenses. Nous étions retranchés de ceux qui devaient vivre par nos offenses. Nous étions retranchés de ceux-là qui devaient connaître Dieu, de ceux-là qui pouvaient communier avec Dieu à cause de nos offenses. Mais Dieu, dans son amour, s'est souvenu de toi et moi. Il s'est souvenu de tous ceux-là qui peuvent l'adorer aujourd'hui, de tous ceux qui peuvent le célébrer aujourd'hui. Il est bon de rappeler cela. Il est bon de rappeler cela parce qu'à un moment donné, vous savez bien, mais quand vous devenez très fort dans la prière, que vous devenez un bon prieur, une bonne prieuse, quand vous devenez quelqu'un qui jeûne beaucoup, quand vous devenez quelqu'un qui parle trop en langue, quand vous devenez quelqu'un qui a beaucoup de vision, qui prophétise bien, qui prêche bien, qui annonce bien l'évangile, qui lit beaucoup, on commence parfois par être hautain. Et c'est pour cela que la Bible dit qu'un peu de levain fait lever la pâte. Un peu de levain. Tu commences à te mousser. Tu mousses, tu crois que tu es plus sain que les autres. Tu oublies qui tu as été hier. Tu commences à mousser au point où tu oublies que les autres aussi peuvent devenir comme toi. Et n'oublie surtout pas, hallelujah, n'oublie surtout pas que le niveau que tu as aujourd'hui, il y a un niveau plus élevé que ça. Le niveau que tu as aujourd'hui, il y a un niveau plus élevé que ça. Alléluia. Mais tu n'es pas encore arrivé au top. Il est possible que celui que tu méprises aujourd'hui arrive à ce top-là avant toi. Mais je me souviens encore par le passé, toutes les personnes dont on se moquait parce qu'elles servaient le Seigneur, ou alors qui se moquaient de nous parce que nous, on ne servait pas le Seigneur, parce qu'on n'était pas comme eux, on se comportait comme, pas comme elles. Alléluia. Aujourd'hui, que sont-elles devenues? Que sont-ils devenus ces personnes? Nombreux étaient même des pasteurs, mais qui nous brimaient, qui nous excommuniaient à chaque fois. À peine tu fais quelque chose à l'église, excommunication, tu es déjà excommunié. Excommunié, ça veut dire qu'on te met au dernier banc, personne ne prend soin de toi, tu ne salues personne. Waouh! L'excommunication, c'est quelque chose de difficile. Beaucoup d'églises ne pratiquent plus cela aujourd'hui. Mais je crois qu'il est important. C'était aussi bien, c'était une forme de discipline. C'était une forme de discipline, mais ce qui faisait parfois mal, c'est que celui qui t'excommuniait, quand toi tu le connaissais au quartier, tu dis, mais celui-ci, c'est sur quoi est-ce qu'il s'appuie pour pouvoir m'excommunier aujourd'hui? Et on m'excommuniait donc ainsi, tu étais assis au dernier banc, tu n'avais pas droit à la parole, même ton offrande, tu ne donnais pas l'offrande à l'église. Tu ne saluais personne, mais tu étais habilité, tu étais appelé à être à tous les programmes de l'église. Tu assistes à tous les cultes. Quand on fait la louange, tu es assis, tu ne danses pas, tu ne chantes pas. Tu es assis, tu assistes à tout le programme. Quand le culte finit, tu es la première personne à sortir parce que tu ne salues personne. Personne ne vient te saluer et personne ne veut même chercher à savoir si tu vas bien. C'est ça qu'on appelle l'excommunication. Tu es vraiment coupé. C'est être coupé. Communication interdite. Amen. Mais ce qui faisait mal, c'est que parfois, ces anciens qui nous punissaient, ces anciens qui nous mettaient parfois sous excommunication, sous discipline, c'était parfois des anciens aussi qui avaient une vie bizarre. Nous, on voyait dans le quartier. Mais parce que nos voix ne portaient pas, mais parce que personne ne nous écoutait, parce que personne ne nous connaissait, parce que personne ne prenait la peine de pouvoir nous écouter, bien aimé, on ne pouvait pas considérer ce qui sortait de nos bouches. Hallelujah. Alors, nous, on était punis comme ça et on considérait cela. Et au bout de quelques mois, au bout de quelques temps, bien-aimés, on était relevé, on recommençait la vie. Amen. Mais toutes ces personnes qui nous punissent aujourd'hui, ou alors qui vous punissent, qui vous ont puni hier, peut-être parce que vous avez une mauvaise attitude, mais elles ont oublié elles-mêmes qu'elles sont passées par là. Amen. Tu es devenu maître dans une certaine matière aujourd'hui, mais avant tu étais aussi élève. Tu as commencé à connaître ces choses. Mais toi aussi, tu es passé par là. Nous sommes tous passés par là. Nous avons tous connu ces moments difficiles là où c'était vraiment difficile de pouvoir résister en face de certains péchés. Amen. Nous étions esclaves de la fornication, esclaves de la masturbation, esclaves du mensonge, esclaves du vol. Ah, aujourd'hui, on peut parler de ces choses au passé, pendant que certaines personnes parlent de ces choses au présent, parce qu'elles ne sont pas encore libérées de ces choses. Mais, qu'avons-nous fait pour être libérées de ces choses? Si ce n'est que la grâce de Dieu nous a touchés. La miséricorde de Dieu nous a atteints. Amen. C'est par la grâce. L'Esprit de Dieu nous a permis de pouvoir fuir ces choses. Et aujourd'hui, nous pouvons être capables de parler de cela à certains. Et oui, nous sommes passés aussi par là. Amen. Alors,
Il déclare donc au verset 6, parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous a sauvés. Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? C'est la grande question. Est-ce qu'il nous a juste sauvés pour sauver? Est-ce qu'il nous a juste sortis de la mort juste pour sortir de la mort? C'était quoi le plan derrière la tête? Parce qu'il avait un plan. Amen. Je ne pense qu'aucun homme ne fait rien pour rien. Si aucun homme ne fait rien pour rien, ce n'est pas Dieu qui fera rien pour rien. Tout ce que Dieu fait est calculé. Tout ce que Dieu fait a un but. Dieu sauve pour un but. Dieu libère du péché pour un but. Amen. Et c'est si tu oublies que tu as été sauvé pour un but, c'est là, en fait, tu vas mener une existence inutile. Et Dieu pourra même regretter de t'avoir sauvé. Je pourrais dire, mais je l'ai même sauvé. Pourquoi? Il ne me sert à rien. Elle ne me sert à rien. Elle ne me sert à rien. Vous voyez, vous achetez une voiture, vous êtes incapable de la conduire. Pas parce que vous ne connaissez pas conduire, mais parce qu'elle ne roule même pas. Vous venez de dépenser de l'argent, mais elle ne roule pas. Vous allez au marché, vous faites des courses, après vous faites à manger. Et puis ce repas est fade. C'est-à-dire que même insipide, même manger, il n'y a pas moyen de pouvoir manger. Ça me sert à quoi? Et ce qui suit, quand ça ne nous sert à rien, qu'est-ce qu'on fait? On jette à la poubelle. Amen. Mais je pense qu'on ne va pas atteindre ce niveau-là où Dieu va nous jeter à la poubelle. Il faut déjà que nous sachions pourquoi est-ce que Dieu nous a sauvés. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question un jour? Pourquoi Dieu m'a-t-il sauvé? Dieu m'a sauvé pourquoi? Est-ce que tu as posé la question à Dieu que mais tu m'as même sauvé pourquoi? L'apôtre Paul, alors qu'il était encore seul, et il pose la question à Dieu. Mais attends. Ok, tu m'as stoppé. Moi, je partais comme ça là, arrêter les gens. Je partais comme ça, arrêter les chrétiens. Je partais comme ça, arrêter tes disciples. Bon, maintenant tu m'as stoppé. C'est pourquoi? Que veux-tu que je fasse? Amen. Alléluia. Que veux-tu que je fasse? Parce que tant que tu ne connais pas ce que Dieu veut que tu fasses, bien-aimé, tu n'auras pas ta place même à l'église. Tu seras mal. Quand tu sais ce que Dieu veut que tu fasses, tu ne peux pas manquer un programme de l'église parce que tu sais que ce que tu dois faire, ce pourquoi on t'a sauvé, doit être fait ce jour à l'église. Mais comment est-ce que tu peux manquer les programmes de l'église alors que tu sais ce que tu dois faire à l'église? Et parfois on se pose la question, pourquoi l'église ne marche pas? Pourquoi l'église ne fonctionne pas? Pourquoi les choses sont difficiles? C'est tout simplement parce que les gens qui sont appelés à faire certaines choses à l'église ne font pas ce pourquoi ils ont été sauvés. Dieu ne peut pas nous sauver pour qu'on vienne s'asseoir. Dieu nous a sauvés pour un but. Dieu nous a sauvés pour quelque chose. Alléluia. Dieu nous dit à quelqu'un, Dieu t'a sauvé pour quelque chose. Dieu, moi je suis conscient que Dieu m'a sauvé pour quelque chose. Imaginez que moi, Dieu me sauve afin que j'annonce l'évangile tel que je le fais chaque jour. Tel que je suis là, je vous suis. Et que vous venez ici, vous ne me trouvez pas. Est-ce que je serai à ma place? Est-ce que vous serez édifié? Est-ce que vous allez grandir? Il va dire, mais je t'ai sauvé pourquoi? Voilà mon peuple qui manque de leader. Voilà mon peuple qui manque de berger. Mais pasteur, à quoi sers-tu? J'ai été consacré pasteur pour ça. Amen. J'ai suivi la formation pour cela. J'ai été consacré pasteur pour faire quoi? Pour paître les brebis du Seigneur. Pour vous entretenir. C'est pour cela que je suis là. Et toute personne donc qui a été consacrée, qui a été mise à un certain poste, qui a été sauvée et qui ne joue pas son rôle, occupe inutilement la place et mérite d'être jetée au feu. C'est ça, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. On va lire, on continue la lecture. Amen. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est tellement beau. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Quand quelqu'un entend ça, il dit, mais pasteur, ok, il a dit qu'il nous a fait asseoir, donc on n'a rien à faire, on est assis dans les lieux célestes avec Jésus. Amen. Mais en fait, nous faire asseoir dans les lieux célestes en Jésus, c'est que nous puissions continuer l'œuvre de Jésus. Jésus est sur la terre au travers de nos personnes. C'est à travers toi que Jésus est sur la terre. C'est à travers moi que Jésus est sur la terre. C'est à travers toi que Jésus est sur la terre pour continuer l'œuvre de la croix. Amen. Ça veut dire que
Si tu ne fais pas cette œuvre, tu demandes à Jésus de se taire, que sa part est finie, il n'y a plus rien à faire. Or, Jésus est venu sauver. Il dit, mais continue. La Bible déclare d'ailleurs qu'il nous a aussi donné le ministère. Il nous a, après nous avoir réconciliés avec Dieu, il nous a donné ensuite le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes capables de réconcilier les autres avec Dieu. C'est notre ministère. Amen. Alors, mais chacun devrait donc comprendre quel est mon rôle même à l'église. Quel est mon rôle? Le verset 8 dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Si quelqu'un te libère de la prison, là où tu étais condamné à mort, et que tu sortes, il te dit, je t'ai sauvé, hein, tu ne me payes pas, mais je veux quand même que tu m'aides à sauver les autres qui sont encore en prison. Tu vas refuser. Mais si tu refuses, c'est que tu es méchant. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous avons été sauvés et nous nous sommes assis. Nous avons été sauvés, on ne s'occupe pas des autres. On s'en fout des autres. Même l'organisation pour que les autres puissent être sauvés. Parce que en fait, nous nous rassemblons ici pourquoi? Afin de pouvoir vous équiper. Amen. On se rassemble ici les mercredis, les vendredis, afin de pouvoir nous équiper et ainsi, on ira mieux pour sauver les autres. Alléluia. Alléluia. On nous équipe afin que nous aussi, on aille sauver les autres tel que nous, on a été sauvés. Donc, il ne s'agit pas de dire, moi, je suis déjà sauvé, donc moi, ça me suffit, moi, je ne viens même plus à l'église, je n'ai pas besoin de partir là-bas. Non. Mais venez ensemble. Ensemble, mettons nos forces ensemble. Trouvons des stratégies afin qu'on aille aussi sauver les autres qui sont dans les prisons. Nombreux croupissent dans les prisons. Nombreux sont sans Christ. Nombreux iront en enfer. La chose la plus difficile encore, c'est de savoir que même ton père ira en enfer parce que toi, tu ne prêches pas l'évangile. La chose la plus cruelle que tu puisses faire sur terre, c'est que ton enfant que tu aimes tant ira en enfer. Ton mari que tu aimes tant ira en enfer parce que tu refuses de t'organiser afin que nous puissions aussi le gagner. Ta maman ira en enfer parce que tu refuses que nous puissions nous organiser afin de pouvoir la sauver elle aussi. Tes amis dans le quartier iront en enfer parce que tu refuses que tu puisses asseoir avec tes frères un vendredi comme celui-ci pour recevoir la connaissance et qu'ainsi que tu sortes à lui prêcher aussi l'évangile et que lui aussi soit sauvé. C'est cela en fait. Il nous a donné le mystère de la réconciliation. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça, on l'a déjà dit. Personne ne peut dire, j'ai été sauvé par mes œuvres. Donc, personne ne peut dire, j'ai payé. Pasteur, je n'ai pas besoin d'être là, moi j'ai payé. J'ai fait ma part, je suis sauvé. Pasteur, Dieu, tu vois que ce que tu dis là, c'est, est-ce que moi j'ai eu ça gratuitement? Pourquoi j'ai encore besoin de travailler après? Est-ce que pourquoi j'ai besoin de faire ceci? Moi j'ai payé, pasteur. Qu'est-ce que tu vas brandir? Qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu que tu as fait pour mériter ce que tu as aujourd'hui? Rien. Rien. Alléluia. Tu n'as rien. Tu es redevable même à Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, il faut racheter le temps. Mais racheter quel temps? Parce que en fait, le temps que je devais servir Dieu, je l'ai gaspillé à faire autre chose. Et Dieu m'a récupéré pour dire, malgré ce que tu as fait là, je te sauve quand même. Et quand tu es conscient de cet état de choses, ok, je vais tout faire pour que le type soit fier de moi, pour racheter le temps que j'ai perdu dans le monde. Pour racheter le temps que j'ai perdu dans le monde. J'ai été éloigné de lui pendant longtemps, je ne le connaissais pas. Il faut que je fasse tout et pour tout, moi aussi, afin que Dieu soit fier de moi. Vous savez, la reconnaissance, c'est la plus grande, c'est le plus grand merci en fait. Être reconnaissant. Lorsqu'on n'est pas reconnaissant, bien-aimé, l'ingratitude n'est pas une bonne chose. Quand quelqu'un t'a fait du bien, il faut savoir dire merci. Quand quelqu'un t'a fait du bien, il faut savoir
dire merci tout simplement. Nous devons apprendre à dire merci à Dieu. En fait, quand tu regardes les difficultés dans lesquelles chacun de nous était plongé, dans nos familles, les liens, les possessions, les envoûtements, et on vivait comme si ces choses-là n'existaient pas, parce qu'on ne les connaissait même pas. Amen. Tu vivais normalement. Pour toi, ta vie était normale. Pour toi, ta vie était normale, tu n'avais aucun problème. Jusqu'à ce que tu arrives un jour dans une église, on prie sur toi, tu tombes. Jusqu'à ce que tu dors la nuit, tu vois un homme qui vient coucher avec toi, une femme qui vient coucher avec toi. Tu commences à manger dans les rêves. Tu entends les voix dans ta maison. Les choses commencent à te quitter, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les hommes te quittent, les femmes te quittent. Tu dis, mais il y a quel problème? Tu perds les enfants. Et qu'on te dise, en fait, tu as un problème depuis. C'est ça qui se manifeste comme ça. C'est ce problème-là qui t'empêche de pouvoir faire ceci, ceci, cela. Et on prie. Toi-même, tu vois comment ton corps a changé. Parce que commençons par là. Il y a d'abord un changement physique. Il y a une paix intérieure que toi-même, tu sais que tu n'avais pas avant. Il y a une paix. Il y a une paix intérieure. Que toi-même, tu sais. Quand tu te regardes aujourd'hui, tu regardes qui tu étais de cela 10 ans. Permets. Faisons un peu cet exercice-là. Que chacun se regarde un peu il y a de cela 5 ans. Tu étais quoi? Et dis-moi ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Parfois rien. Rien du tout. Regarde comment tu es devenu belle. Regarde comment tu es devenu beau. Regarde c'est comment tu profites d'une gloire, tu ne sais pas là où ça sort. On te renouvelle chaque matin, tu ne sais pas comment tu fais pour devenir aussi jolie. Tu ne sais pas comment tu fais pour dormir la nuit. Tu te réveilles le matin, tu dors comme une chaussure. Tu ne t'inquiètes pas la nuit. Les enfants vont bien. Tes parents vont bien. Waouh! Et tu continues de faire comme si tu avais fait quelque chose, tu avais payé un grand prix pour avoir cela. Non, celui qui a payé un grand prix, bien-aimé, c'est lui. C'est à lui qu'il faut être reconnaissant. Envers lui, il faut être reconnaissant. Amen. Alors, bien-aimé, que dit la Bible au verset 9? Ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Waouh! Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ici en fait que chacun doit comprendre exactement pourquoi il a été sauvé. Amen. Alléluia. Dieu a décidé de se former une armée et qu'il avait un plan à la fin. Il dit, voilà, comme je vous l'expliquais dernièrement ici, qu'en fait, lorsque Dieu sauve, il sait déjà exactement ce que tu dois faire. Amen. Ce n'est pas quand il te sauve qu'il cherche maintenant, bon, qu'est-ce qu'elle peut bien faire, ou alors qu'est-ce qu'il peut faire dans ma maison, ou qu'est-ce qu'il peut faire sur terre. Non. Dieu vient te sauver, c'est-à-dire Dieu connaît déjà la conclusion avant de commencer l'introduction. Avant de commencer le processus du salut, il sait déjà exactement ce que tu dois faire après ce salut. Vous comprenez un peu? Il sait déjà exactement là où il va te positionner. Ah ouais. C'est comme quand tu vas acheter, je prends tous les exemples, quand tu vas acheter un véhicule, tu sais déjà exactement où tu vas souvent garer ton véhicule. Tu n'achètes pas le véhicule, vous commencez à dire, je n'ai même pas le parking. Ouais, j'ai fait comment? Je vais garer le véhicule ici, où? Ça, là, c'est que tu es un insensé. Personne ne le fait. La Bible déclare que qui peut bâtir une tour sans avoir d'abord au préalable pensé aux dépenses. Avant de construire une maison, tu connais les dépenses. Tu sais là que c'est possible avant de te lancer. Les gens qui commencent les constructions, après ils sont bloqués. Je dis que c'est quoi? C'est les sorciers qui vous invitent souvent à dépenser l'argent. On ne commence pas un chantier pour s'arrêter après. On ne commence pas une entreprise pour aller s'arrêter. Amen. Quand tu commences, que tu as déjà mesuré que ça me prendra tant et voilà comment je vais faire pour avoir cet argent-là et je vais le faire. Amen.
Les imprévus, c'est autre chose. Mais commencer un chantier, puis tu n'as même plus d'argent, tu ne sais pas là où ça va venir, c'est être insensé, tu ne sais pas là où tu pars. Amen. Alors Dieu, avant de bâtir, avant de sauver une âme, il sait déjà exactement ce que cette âme qui est encore condamnée va faire demain lorsqu'elle sera sauvée. Alléluia. Alors il dit, la première chose, c'est que Olga, Sandrine, Lionel, que je veux sauver, pour qu'ils soient sauvés, il faut qu'ils passent par Jésus. Le plan est là. Le plan est clair. Pour que Victor soit sauvé, Victor est dans le péché, pour que Victor, voilà ce que je veux que Victor fasse. Amen. Je veux que Victor devienne un pasteur. Ou alors, Victor sera un pasteur. Mais là, Victor est encore dans le péché. Vous voyez un peu. Le plan de Dieu, c'est qu'il commence à la fin avant de commencer au début. Il commence par la fin avant d'aller commencer au début. Ok, ça sera un pasteur. Ça sera un pasteur. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu dois utiliser pour avoir ce pasteur-ci? Je dois utiliser ce mort. Je dois utiliser ce pécheur. Mais ce pécheur ne peut pas devenir pasteur directement. Il faut que le pécheur là passe par un processus. Il doit passer par Jésus-Christ. Quand il passera par Jésus-Christ, après, il deviendra le pasteur. Et il ne sera pas seulement pasteur. Je veux qu'il devienne pasteur parce que voilà les œuvres que je veux qu'il fasse. Ça, vous comprenez? C'est-à-dire, la fonction est déjà là. Et les œuvres qui vont accompagner le fonctionnaire sont déjà là. Vous comprenez un peu? Je veux qu'il devienne pasteur parce que je veux. Il dit, ou alors, les œuvres sont là, d'accord? Les bonnes œuvres sont là. Mais pour mener ces bonnes œuvres, il me faut un pasteur. Mais où est-ce que je peux avoir un pasteur? Je vais aller à la poubelle. C'est là-bas que je vais prendre quelqu'un que je vais arranger. Et ce n'est que quand je vais l'arranger, je vais le programmer de manière à ce qu'il soit capable de faire ces œuvres-ci. Amen. Il te programme. Il a créé. Il te programme de manière à ce que tu sois capable, tu sois compatible à ses œuvres. Amen. Ce qui fait que quand Dieu te prend donc de la poubelle, il te fait passer par le processus, par Jésus-Christ. Amen. Quand tu arrives, normalement, tu dois poser ces œuvres-là. Tu dois poser ces bonnes œuvres parce que tu as été programmé déjà pour ça. Ce n'est pas, mais c'est là que vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Vous comprenez très bien. Il n'y a pas de hasard en fait. Donc maintenant, voici ce que dit la parole. La Bible déclare ceci. Écoutez très bien, nous sommes au verset 10. Car nous sommes son ouvrage. L'ouvrage, ça veut dire qu'il nous a formés. Amen. L'ouvrage, c'est un rassemblement, c'est un assemblage d'outils. Quand on parle d'ouvrage, c'est un assemblage. Amen. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus, on a pris les choses à la poubelle. Maintenant, c'est en Jésus qu'on nous a rassemblés. Donc, Jésus, c'est l'atelier où tout s'est fait. Jésus, c'est l'atelier de fabrication où tout s'est fait. Si on te prenait à la poubelle sans passer par l'atelier, tu n'allais pas pouvoir produire ces œuvres-là. Amen. Alors, il te fait passer par Jésus où est l'atelier de fabrication. Et c'est là où tu as été créé, en Jésus. Amen. Et il a été créé en Jésus pour de bonnes œuvres. Donc, tu as été programmé à l'atelier pour que tu produises les bonnes œuvres. Ah, que Dieu a préparées d'avance. Quand tu regardes bien comme Dieu a préparé d'avance. Regarde comment préparer et écrit. Préparer et écrit comment? E accent aigu, E mieux S, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que ce sont les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance. Waouh! Ce sont les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance. En fait, les bonnes œuvres existent avant que toi, tu ne sois sauvé. Ils ne comprennent pas. C'est trop dur. Sandra, tu comprends? Les bonnes œuvres que tu dois produire
ont été créées, ont été mises en place, ont été préparées avant que toi tu ne sois sauvé. C'est-à-dire, voilà ce que tu vas aller faire. C'est déjà là. C'est ça qu'on appelle, c'est comme la provision. Amen. On prépare déjà ce que tu vas utiliser. On prépare déjà ce que tu viendras faire avant même que tu ne commences. Quand vous allez en mission quelque part, ce n'est pas quand vous arrivez et vous commencez encore à chercher là où vous allez dormir. C'est ça, non? Quand vous allez en mission quelque part, ce n'est pas quand vous arrivez et vous commencez encore à chercher ce que vous allez faire. Vous connaissez déjà exactement ce que vous allez faire parce que tout cela a été préparé avant votre arrivée. Amen. C'est exactement ça. Amen. Donc, ces bonnes œuvres ont été préparées en avance, avant que nous on arrive, afin que nous puissions les pratiquer. Donc, en fait, ici, j'ai rappelé ici que, afin que Dieu a préparé d'avance, j'ai dit préparer, accent aigu, mieux, espace, ça s'accorde aux bonnes œuvres. Amen. Afin que nous les pratiquions. Donc, ces œuvres qui avaient été préparées d'avance ont été à notre disposition, ont été avant que nous puissions arriver, que quand on va arriver, qu'on vient trouver les choses disponibles. Amen. Comme quand tu vas en vacances quelque part, quelqu'un t'attend en vacances, tu arrives, tu trouves qu'on t'a acheté des sandales. On t'a acheté déjà un drap, on t'a acheté une serviette, on t'a acheté une brosse à dents, on t'a acheté la pâte dentifrice, on t'a acheté quoi d'autre? Amen. Quand on a acheté ces choses, en fait, et tu arrives, toi tu arrives donc, tu n'utilises pas les choses qui ont été apprêtées pour toi. Qu'est-ce que le propriétaire te dit? Qu'est-ce que celui qui t'accueille te dit? Il dit, moi j'ai acheté des choses là, vraiment, moi je ne savais pas. J'ai préparé ça, que ce que tu allais porter. Et la personne est déçue, n'est-ce pas? La personne est déçue. C'est la même chose que Dieu ressent avec nous. Pourquoi? On va lire par la suite. C'est qu'en fait, il a fait des bonnes œuvres que nous, on doit pratiquer normalement. Mais aujourd'hui, nous, on ne pratique pas les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Nous, on pratique nos bonnes œuvres selon nos sens. On pratique nos bonnes œuvres selon notre mentalité. Il y a des choses que nous trouvons bonnes. Et pourtant, pour Dieu, ça ne fait pas partie des bonnes œuvres. Écoutez très bien. Bien-aimé, il y a des gens qui ne sont pas appelés à donner aux orphelins. Mais tu donnes aux orphelins, tu es dans une bonne œuvre, mais tu n'es pas dans la bonne œuvre selon la volonté de Dieu. Parce qu'en fait, tu n'es pas programmé pour ça. Vous comprenez un peu? Oh, non, vous ne comprenez pas. Alléluia. Vous comprenez un peu? Chacun de nous a des œuvres qu'il doit poser sur la surface de la terre. Chacun de nous a des bonnes œuvres qu'il doit poser. Il a de bonnes actions qu'il doit poser. Mais ce ne sont pas des bonnes actions que toi tu veux. Amen. Une bonne œuvre selon un chrétien, c'est la bonne œuvre que Dieu a préparée pour lui avant qu'il ne soit créé. C'est ça en fait. Amen. Ce n'est pas que non, j'ai donné la nourriture aux orphelins, non, j'ai donné ceci, non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Pour toi, ce sont les bonnes œuvres, mais pour Dieu, ce ne sont pas les bonnes œuvres, parce que tu n'es pas dans le plan. C'est ça une bonne œuvre. Une bonne œuvre, ce n'est pas ta volonté. Une bonne œuvre, c'est poser la bonne œuvre à laquelle tu as été programmé, pour laquelle tu as été programmé. Amen. Pour laquelle tu as été programmé. Bon, voilà donc les gens qui, parfois à l'église, on te donne une responsabilité, mais tu ne l'assumes pas. Mais tu penses plutôt que parce que tu donnes la dîme, tu donnes l'argent, tu donnes l'offrande, tu donnes ceci, c'est une bonne œuvre. Mais pour toi, c'est une bonne œuvre. À tes yeux, c'est une bonne œuvre. Mais selon Dieu, ce n'est pas une bonne œuvre. Parce qu'en fait, là où il t'attend, tu n'es pas là-bas, tu es plutôt ailleurs. Tu satisfais plutôt ton ego, tu satisfais ta chair, tu satisfais ta pensée. Amen. Amen. Alors qu'on te veut quelque part, toi tu dis que non, moi je vais plutôt aller là-bas. C'est aussi bien pour l'œuvre, non? Ce n'est pas parce que c'est bien pour l'œuvre que tu dois être là-bas. Tu dois être là où Dieu a préparé que tu dois être. C'est ça une bonne œuvre selon Dieu. Car c'est à cela que tu as été appelé. Alors, les bonnes œuvres que tu poses aujourd'hui, elles sont-elles véritablement bonnes selon Dieu?
Sont-elles véritablement bonnes selon Dieu? Je vais vous donner un secret ce soir. Je sais que beaucoup n'iront pas prier pour connaître les œuvres, les bonnes œuvres qu'ils doivent. Je sais. Amen. Je sais que nombreux ne vont pas prier dans ce sens-là. Mais je veux que vous soyez capables de dire au dernier jour, Père, j'ai suivi la voie de mon pasteur. Je n'ai fait que ce qu'il m'a demandé de faire. J'ai suivi la voie de mon pasteur. J'ai fait tout ce que mon pasteur m'a demandé de faire. J'ai fait tout ce que mon leader m'a demandé de faire. Moi, je ne connaissais pas les œuvres que tu as voulu que je fasse. Mais je crois que j'ai fait les œuvres selon ce que mon leader m'a demandé de faire, celui que tu as placé au-devant de moi. Ça, je vous donne l'échappatoire. Hein. Mais maintenant, si Dieu te montre la bonne œuvre que lui attend de toi, fais cela. Mais si tu ne connais pas, bien-aimé, écoute ton leader. Laisse que ça repose sur lui. Laisse que la charge repose sur lui. Si ton leader te dit, va à gauche, va à gauche. Il dit, va à droite, va à droite. Considère qu'il a que c'est la bonne œuvre que Dieu a voulu que tu pratiques. Mais si tu fais comme tu veux, bien-aimé, au dernier jour, il n'y aura rien qui pourra dire que tu ne savais pas ce que tu faisais. Parce que nombreux, parfois, sont seulement là où ils veulent être et non là où Dieu veut qu'ils soient. Amen. 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 C'est ça en fait. Alors, tu as donc été préparé pour faire certaines choses. Il y a donc les aptitudes que tu as. Il y a des choses que tu es capable de faire, mais quand tu ne les fais pas, bien-aimé, tu passes à côté de la volonté de Dieu en ce qui te concerne. Tu passes à côté du plan de Dieu. Tu parles de la raison pour laquelle tu as été sauvé. Tu as été sauvé pour quelque chose de précis. Tu n'as pas été sauvé pour faire tout. Tu n'as pas été sauvé pour être partout. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Quand tu n'es pas à l'église, tu fais mal parce qu'on ne t'a pas sauvé pour que tu sois toujours dehors. Vous croyez que Dieu a sauvé les gens pour venir chercher l'argent sur terre? Vous croyez vraiment ça? Amen. Je parlais encore avec un pasteur. Je lui disais, j'encourage tous ceux qui travaillent. Mais je vais vous poser une question sincère. Vous croyez vraiment qu'un homme, peu importe le travail qu'il fait, peut être plus riche qu'un pasteur qui a réussi à gagner les âmes sur la surface de la terre? Vous pensez vraiment ça? Vous le pensez vraiment? Bien-aimé. Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, Dieu nous a donné la grâce d'avoir part à sa gloire. Amen. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte, machin, tous les pasteurs donnent les offrandes, ils mangent les offrandes, mangent les dîmes. Vous voulez que qui mange ça? Dieu? C'est normal. Amen. Ça me revient de droit en tant que pasteur. C'est moi qui enseigne, c'est moi qui prêche ici, c'est moi qui prie sur vous. Dieu n'est jamais venu prier sur vos têtes ici. Amen. Bon, imaginons que la maison de prière pour tous les peuples. Je vous dis ces choses-là parce qu'en fait, il faut qu'on apprenne à vous dire ça pour que les gens apprennent à se taire parfois. Parce que les gens pêchent parfois pour rien. Amen. Imagine donc que quelqu'un se lève, ou alors la maison de prière pour tous les peuples grandit, au point où on se retrouve en train d'avoir 1 million ou 3 millions de fidèles. 3 millions de fidèles. Et que chacun donne seulement son offrande ou sa dîme. Vous pouvez imaginer combien le pasteur peut se retrouver avec par mois? Vous pouvez imaginer comment est-ce qu'il peut payer les ouvriers qui sont dans la maison de Dieu? Est-ce que vous savez qu'il y a les ouvriers à la maison de Dieu, les diacres dans certaines églises qui gagnent 150, qui gagnent 15 000 euros par mois? Et toi, tu es dans ton SMIC, tu vois que tu as 1200 euros, tu trouves que tu as trop fait. Voilà la dimension à laquelle Dieu veut vous amener. Le pasteur Mohamed Kambéry disait qu'à un moment donné, il était ministre des Finances dans son pays. Il était ministre. Amen. Il gérait les finances, il gérait l'argent dans son pays. Après, Dieu lui dit que, bon, maintenant, il va falloir que tu quittes le travail là. Quitte, j'ai besoin de toi maintenant, tu seras maintenant mon ministre. Sa mère a d'abord, tout le monde l'a d'abord combattu. Tu quittes ministre pourquoi? Parce que nous, on va encore manger où? On va encore manger où? Qui nous donnera encore ceci? Qui nous donnera encore cela? Qui nous fera encore ceci? Qui nous fera encore cela? Après, il a appelé sa mère. Il dit à sa mère, maman,
Tu préfères quoi? Que je sois le ministre de la République ou le ministre de Dieu? Sa mère dit que je préfère quand même qu'il soit ministre de Dieu. Hein, parce que là, non, je vais d'abord profiter. Tu vas souvent prier pour moi ici. Amen. Et il savait que lorsqu'il va dire que si sa mère est derrière lui, elle va convaincre toute la famille. Amen. Les gens vont pleurer, oh vraiment, on va perdre les avantages, on n'aura plus l'argent, on n'aura plus ceci, on n'aura plus cela, on n'aura plus ceci. Parce que le plus souvent, c'est les avantages que les gens regardent. Mais parfois, les yeux des gens se limitent à un petit salaire. Peu importe ce que tu as comme salaire, bien aimé, je n'envie pas quelqu'un qui touche 10 000 euros. Je n'envie pas. Parce que si je travaille, hallelujah, si je travaille, je gagne les âmes. Bien aimé, quand tu gagnes une brebis, écoutez très bien, quand tu gagnes une brebis, sache que la brebis là, elle-même ne boira pas son propre lait quand elle va grandir. Amen. Je n'en vis pas. Mais ce n'est pas mon but, ce n'est pas l'objectif, je ne regarde pas à l'argent. Amen. Je regarde à l'œuvre que je dois faire et Dieu va me bénir par rapport à cette œuvre. Mais si toi tu vois que l'œuvre de Dieu c'est un fardeau pour toi, ça veut dire que tu n'as pas de vision. Si toi tu te limites seulement que je me fais le travail, je me fais ceci, bien aimé. Le travail c'est l'asservissement. Le meilleur travail que tu dois faire, c'est de travailler dans la vigne du Seigneur. C'est de travailler dans la gloire de la maison de Dieu. C'est de travailler pour la gloire de Dieu. Et quand les fruits vont tomber, tu auras part aussi à ces fruits-là. Voilà comment vous devez voir l'œuvre. Ce n'est pas l'œuvre du pasteur. C'est que tous ceux qui ont part, tous ceux qui travaillent à l'autel, ont droit à ce qui se pose sur l'autel. À un moment donné, tous ceux qui travaillent dans ce ministère auront droit à un salaire dans ce ministère. Tous. Toi qui es combattu, tu parles, ok, vraiment, on veut qu'il travaille, on veut faire ceci, on veut cela, on veut ceci, on veut ceci, on veut cela. Toi, tu as encore les regards sur ton salaire parce que, en fait, tu n'as pas encore ouvert les yeux. Je peux vous citer tous ces pasteurs-là. Vous voyez mon père spirituel en train de dire qu'il part travailler dans un bureau. Mon père spirituel. Vous voyez le pasteur Yvan Castanou dire qu'il part travailler dans un bureau. Vous voyez pasteur Christ dire qu'il part travailler dans un bureau. Vous allez l'engager pour qu'il fasse quoi? Il va faire quel genre de travail? C'est ça, avoir la vision. Dieu lui voyait tout ça. Vous voyez juste que le salaire. Nous voyons juste le salaire. Nous voyons juste les factures. Nous ne voyons pas l'œuvre de Dieu. Nous ne voyons pas les âmes. Et nous sommes surpris quand on voit un pasteur avec un jet privé. Il n'achète même pas parfois ce jet privé-là. J'expliquais à l'évangéliste Lyonnais dernièrement que le pasteur Alf Lukao, quand il doit se voyager, quand il doit se déplacer, il déplace en jet privé. Parce qu'un de ses fils spirituels a une agence de jet privé. Donc on loue le jet privé chez son fils-là. Il a au moins ses 30 comme ça, son fils spirituel. Au moins ses 30. Et quand le pasteur Ave Lucas va faire un programme quelque part, amen. Amen. Quand il fait un programme quelque part, ses enfants, c'est un de ses fils, il prend un des jets, il dit prends. Papa, c'est avec ça qui t'accompagne à Paris. Il vient faire le programme au Dôme de Paris. C'est le Dôme de Paris, ce n'est pas les petites salles que nous on loue souvent là. Il discute. Un de ses fils se lève. Papa, c'est moi qui paye le Dôme, c'est moi qui paye la location. Au moins c'est 100 000 euros, il pose. Attends, vous croyez qu'il peut être au niveau qu'il regarde, attends, le salaire, qu'il gagne 5 000 euros, il gagne 10 000 euros le mois? C'est comme ça qu'il faut voir Dieu. C'est cela servir le Seigneur. Amen. C'est cela faire des œuvres auxquelles nous avons été appelés. La gloire est attachée à cela. La gloire que vous cherchez est attachée au service. La véritable gloire est attachée au service. Mais pour atteindre ce niveau, il faut servir les hommes que Dieu t'a donnés. Pas mettre l'argent devant. Je ne suis pas là pour vos dîmes. Je ne suis pas là pour vos offrandes. Non. Amen. Cela me tombe dessus parce que je suis en train de faire le travail que je dois faire. C'est pour cela que vous donnez même vos dîmes. Amen. Si tu trouves que la dîme ne doit pas être possible, c'est même parce que tu dis qu'il ne mérite pas ma dîme. Je ne donne pas la dîme au Seigneur parce que le pasteur ne fait pas bien son travail. Je ne donne pas mon offrande parce que le pasteur fait bien son travail. Mais si les gens continuent de déposer leurs dîmes, leurs offrandes ici, c'est parce qu'en fait, vous savez que le pasteur fait son travail. Amen. C'est ça en fait. Gloire à Dieu. Alors, nous avons été appelés pour des bonnes œuvres. Mais les œuvres que tu fais,
que tu poses aujourd'hui, que toi tu appelles, j'ai bien fait, non, j'ai bien fait ceci, non, j'ai fait ceci. Même parfois ce que tu fais mal à l'église, est-ce que tu penses que c'est une bonne œuvre à laquelle tu as été programmé à cela? Amen.